Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à cordes Sky. Eh bien, ce soir encore, nous nous retrouvons pour pouvoir parler de ce magnifique projet dans lequel j'investis depuis 2018. Eh bien, une fois de plus, c'est encore moi, Donatien Gérard, et investisseur dans ce projet depuis 2018. Je continue d'investir jusqu'à aujourd'hui à propager la bonne nouvelle du projet de transport à cordes autour de moi afin que personne ne puisse rater cette occasion unique. Donc, je vous invite à faire comme moi. Restons ensemble jusqu'à la fin de ce webinaire afin de pouvoir avoir une fois de plus les dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous parlerons des différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, des risques et des sécurités du système de transport actuel, les possibilités, les perspectives du système innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer donc à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Qu'est-ce que Skyworld Community vous offre donc comme opportunités, et nous parlerons des avantages, des perspectives et des bénéfices que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, nous commençons. L'étape 14.2 est prolongée jusqu'au 27 octobre 2022. Faut le dire déjà, c'est une étape qui devait s'achever le 19 octobre, mais à la demande de plusieurs investisseurs, cela a été renvoyé jusqu'au 27 octobre. Le passage, donc, à la prochaine sous-étape de développement aura lieu ce jour. Le même jour, l'escompte. Le même jour, l'escompte pour les offres d'investissement dans le back-office diminuera. Cela signifie que vous pouvez encore obtenir plus de parts pour le même montant qu'après le passage à une nouvelle étape, une nouvelle sous-étape. Vous pouvez comparer les escomptes des différentes étapes 14.2 et 14.3 dans votre back-office, dans le document 6 juin. Aussi, avant le 27 juin, autant pour moi, le 27 octobre, autant pour moi, GMT plus 3, vous avez la possibilité de, deux points, appliquer à toute offre d'investissement standard ou donner aux membres de votre structure des coupons x2 pour soutenir le projet à l'étape 14.2. Vous pouvez aussi appliquer aux offres d'investissement standard pour n'importe quel montant les coupons x2, x1,5, x1,2. Donc, invitez les gens dans le projet,
Contactez vos filleuls qui n'ont pas de coupons actuellement et donnez-leur ces coupons afin qu'ils puissent profiter de l'escompte actuel avant le changement d'étape. La démonstration des hologrammes Face of the Future a commencé dans le centre d'essai de Biélorussie. Dans le centre d'essai de transport à cordes en Biélorussie, on a commencé à montrer des hologrammes avec l'image des investisseurs qui ont profité de l'offre Face of the Future. Le chargement des photos sur le stand se fait progressivement. Nous vous rappelons qu'avec l'offre Face of the Future, il est possible d'investir dans le développement de notre projet avec un escompte de 1 sur 90 et obtenir son portrait numérique qui sera diffusé au musée des transports à cordes. Depuis 2020, les hologrammes sont déjà créés par plus de 1300 personnes de 28 pays. Au début du mois d'octobre, les partenaires vietnamiens qui ont remporté le challenge Skywalk Community aux étapes 1 et 2 ont pu voir l'hologramme en direct et ont visité le centre d'essai lors de la tournée gagnée. Ce sont eux qui ont fait l'investissement de Face of the Future parmi les premiers investisseurs. Pour les invités vietnamiens, les démonstrations d'hologramme est devenue l'un des moments les plus mémorables du voyage. Les portraits numériques des partenaires ont pris leur place bien méritée dans l'exposition, où toute l'histoire du développement du projet est présentée, de l'idée de la technologie dans l'atelier au début du chantier de construction à Sharjah. Dans le musée, les partenaires ont activement filmé des vidéos et pris des photos sur le fond des hologrammes pour ensuite montrer donc aux participants de leur équipe que tout le monde peut laisser une marque indélébile dans le développement du projet. Alors, c'est un beau voyage. Les gagnants du challenge Skywalk Community du Vietnam ont visité la Biélorussie. Du 2 au 8 octobre a eu lieu un tour de prix exclusif en Biélorussie pour les partenaires les plus réussis du Vietnam, qui sont devenus des gagnants des étapes 1 et 2 du Skywalk Community. Skywatch Champions Challenge, autant pour moi. Dans les premiers jours, les délégués se sont rendus au bureau de Uniskissing Technologies. Ils ont personnellement discuté avec Nadeshka Kazareva, directrice générale de l'UST, et ont reçu en cadeau une image représentant Anatoly Unitsky sur un fond de transport à cordes. Les employés du bureau ont également reçu de nombreux cadeaux et fruits exotiques du café du Vietnam. Les partenaires ont également visité le complexe de production. Pour eux, une visite approfondie a été effectuée. On leur a montré le mode de transport qui se prépare pour les tests et certifications et on a répondu aux questions des participants à la visite. Les visiteurs ont vu les principaux objets, l'escadre de rails à cordes, le matériel roulant, la gare et le musée de transport à cordes. Alors, au vu de tout ceci, c'est quoi donc la technologie de transport à cordes? Il s'agit d'une solution innovante au problème moderne de transport urbain de marchandises et à grande vitesse. Un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, donnant la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. En 1914, l'usine de confiserie russe appelée Enyam produisit des bonbons avec des essais publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. En voilà une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Alors, dans l'illustration suivante, les gens, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation-là ne nous est pas du tout différente, non. Elle nous est plutôt familière et pas seulement sur les images. C'est notre monde. C'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Les navires sont obligés de tendre chacun leur tour. Alors, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir la surcharge des voies de transport et le manque de sécurité causant ainsi la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme, tant bien que mal.
Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'homme utilise aujourd'hui est un poison pour la nature, elle ne peut plus résister. Alors, le prochain problème majeur de notre époque, c'est donc la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne à l'électricité, il faut le savoir, ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens, donc, de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Alors, donc, le quatrième défi, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts des capitales restent évidents. Alors, des tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne et de nos jours donc en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez donc pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue roulée par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas confondre ce nouveau système de transport avec le télépérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures et télépériques au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, qu'est-ce que YouSky? Il s'agit donc d'une ville linéaire en union avec la nature. Les routes de Uniski Technologies favorisent le développement des villes linéaires, des établissements urbains de type cluster harmonieusement intégrés dans l'environnement naturel. Alors ici, on a donc une écomaison, une image 3D d'une écomaison qui existe actuellement en Biélorussie et même aux Émirats Arabes Unis. Ici, c'est une autre perspective de ville linéaire. Alors, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, maintenant, avant de continuer, fixons-nous le problème qui consiste ici à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. Alors, on peut voir tout cela sur cette image clairement. Alors, créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route, c'est la prochaine étape. Ensuite, seulement alors à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter les travaux de terrassement lourds, la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants, vue précédemment avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on va donc plutôt poser le câble. Les supports lourds ne seront pas nécessaires à ce moment. On les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevant ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. Alors, c'est ainsi que cette structure ressemble à section. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. Les variantes de structure de rail à cordes, la tête de rail plate et la roue cylindrique en acier garantissent une consommation d'énergie minimale pour le mouvement. Le rail à cordes combine des propriétés d'un câble souple sur une grande portée entre le support et d'une poutre rigide sur une petite portée. Sous la roue d'un autorail électrique et au-dessus
du support. Alors, sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet, à savoir à chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de rail semi-rigide, rigide et flexible. Donc, la structure de rail semi-rigide est conçue pour pouvoir supporter des vitesses, des véhicules allant à des vitesses entre 50 et 250 km par heure, la rigide entre 100 et 500 km par heure et la semi-rigide entre 30 et 150 km par heure. Ici, nous avons la conception du châssis d'un véhicule. Ok, nous avons le convertisseur de tension, la roue moteur, dispositif d'atterrissage de secours, d'attelage autant pour moi de secours, des batteries d'accumulateurs. Et faut pas oublier que nous avons aussi dans la conception un système anti-déraillement spécial. Alors, rendez-vous, regardez les dimensions autant pour moi réelles du rail semi-rigide et flexible sur cette image. Ceci, c'est un photomontage qui montre des haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, donc, vous pouvez vous passer des intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. En ce moment, et ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, non, mais une vraie photo prise en octobre 2021 au Centre de recherche et d'innovation technologique à Sharjah. Lors de l'Expo 2020, une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure. Ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des rails en acier sur le rail en acier. L'absence du pilote et le contrôle au passage automatique élimine l'influence du facteur humain. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut donc subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Alors, ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Alors, lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. La solution la plus importante, la solution sur le transport de second niveau, montre clairement que les flux d'air de dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici donc l'appareil qui vient d'être présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature. Et cet appareil, c'est une ébus à grande vitesse. L'Uniflash peut donc économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est énorme. Donc, maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne, parce que nous allons voir, au vu de tout ce que nous avons vu précédemment, à quel point le système de transport à cordes est le plus efficace, le meilleur système de transport au monde. Les différents problèmes sont la surcharge des voies de transport, donc les embouteillages, le manque de sécurité qui cause la mort, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Eh bien, ici, dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Les transports à cordes que Yusky offre est peu en vert. Nous avons donc ici la solution la plus optimale en termes de transport. Coût du capital, coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement, le taux d'accident de transport. Le transport à cordes Yusky est le plus optimal. Alors, le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes en termes de coût de délivrance et temps de délivrance par rapport à tous les autres systèmes de transport. Ici, nous avons une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. On se rend compte donc que l'hyperloop
Ok. Ici, près de 10 fois plus cher en termes de coût par kilomètre que le transport à cordes du Sky. Il est même entre près de 10 fois moins cher que tous les autres systèmes de transport existants. Qui ne voudrait pas d'un tel système de transport chez lui? Personne. Donc, nous pouvons dire que le transport de deuxième niveau jusqu'à est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Alors, tout le monde peut investir dans le projet. Oui, vous avez la possibilité d'investir dans le projet à partir d'un montant minimal de 50 dollars. Un plan d'investissement pratique est mis sur pied pour permettre à tous les investisseurs, surtout ceux qui n'ont pas les moyens de payer en cash, pouvoir payer des packs d'investissement sur 5 mois à tempérament. Et il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs dans le projet dans plus de 200 pays, y compris les hommes d'affaires, des enseignants, des personnes de différentes professions. Les perspectives d'investissement, donc, en participant aujourd'hui à ce projet, qu'est-ce que vous gagnerez? Premièrement, des dividendes. La mise en œuvre réussie du projet, comme c'est le cas actuel, ce qui, OK, vous donnera la possibilité de recevoir des dividendes de la part des bénéfices du projet de l'entreprise. Le rachat d'actions. L'entreprise peut annoncer le rachat des parts. Elle a déjà fait en 2018, en octobre, où les 5 000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un montant allant jusqu'à 10 fois le montant investi. Les actions sont votre propriété. Vous pouvez les transmettre à vos enfants et petits-enfants en héritage. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale. En cas de décision de la société de participer donc à l'échange, vous pourrez donc avoir la possibilité de revendre vos actions. Bien. L'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Edouardovitch Uniski, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voit le monde. Aujourd'hui, il a plus de 70 ans. OK, il a 40 ans de sa vie qu'il a consacré à ce transport. Alors, la technologie UST est optimale, efficace et sûre. Ce monsieur est créateur du système de transport spatial et géospatial, ainsi que d'un certain nombre de projets de transport et d'infrastructures basées sur la technologie à cordes. Il est auteur de plus de 150 brevets d'invention et les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.engineer. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Alors, le système de transport à cordes. Aujourd'hui, après les 11 modèles de véhicules déjà certifiés, vous pouvez les voir là. Et ici, nous avons quelques images en grandeur nature, les systèmes de transport pour passagers. Et là, le système de transport pour marchandises, 4 modèles de transport. Donc, le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres systèmes de transport. Il les intègre donc facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes modernes de livraison des structures, OK, fournies également par la technologie, il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Et à ses propres supports, il peut traverser le bâtiment sans changer la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à plus de 18 expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos que vous voyez ici ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'expo InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand de téléphérique suisse regardent en direction du Sky. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport à cordes, doit passer de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site.
Ici, nous avons un certificat correspondant délivré par TUVSW, l'organisation propose des solutions d'essai, d'inspection, d'audit et de certification et de formation dans 14 pays. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats et récompenses aussi. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web. Alors, le reportage dans des médias. Durant l'année 2021, nous avons fait l'objet du reportage dans plus de 20 chaînes de médias internationaux. Alors, en passant de ABC News, CNN Business, Fox News, The National, CNN Business, NBC News, France 2, News 24, Gulf News, etc. Sans aucun doute, il est impossible de mener à bien un tel travail titanesque par une seule personne. Voilà pourquoi la société Uniskisting Technologies a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont été déjà conçues et fabriquées. Des marches pour le transport de marchandises, de passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse, suspendues et montées, une capacité de 2 à 200 passagers et une capacité de charge de 2 à 5, 35 tonnes. Quatre autres modèles, y compris dans la version tropicale, sont en cours d'exécution. L'agent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en Biélorussie. Chaque année, lors de l'Ecofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leur proposer la réalisation et s'assurer de la réalité. Tout ce qui s'y passe, chaque fois quelque chose de nouveau ici y est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis, dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche, de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché mondial du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction donc de Sharjah. Le transport donc aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et dans un avenir pas si lointain, ce transport s'intégrera naturellement dans le paysage naturel et ne nous surprendra plus, comme le fait le métro aujourd'hui ou le tram. Ils ne nous surprennent plus du tout. Ainsi, nous pouvons donc dire, parvenu au terme de cette présentation, que le transport à cordes, le Sky, est un transport tout d'abord innovant. Nous avons vu les différentes caractéristiques, qui se déplacent au-dessus du sol à haute vitesse, qu'il est sûr, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Alors, comme à l'accoutumée, avant de vous laisser, je vais vous laisser avec cette belle vidéo qui présente les différents modèles de véhicules utilisant la technologie de transport à cordes. Et je vous dis à ciao, à très bientôt pour des dernières nouvelles du projet.